Shalom, le prophète Joël Krasour, cette date de mardi, je sais, mardi, c'est ça? Mardi 3 juin 2014, nous sommes au centre de Joël. Cette journée était vraiment une journée riche en relations, en contacts. Parce que depuis ce matin, à partir de 9h, j'étais avec le commissaire du premier arrondissement de Divo, lui parler de nos activités. Il m'a fait entendre qu'il était même venu ici une fois. Il était même dans la foule pour voir un peu comment je travaillais, tout ça. Il était convaincu, et en tant que chrétien, lui était chrétien, homme de Dieu aussi en plus, en mi-temps, convaincu du travail qu'on faisait sur dans la région. Et en même temps, aujourd'hui, je suis allé rendre visite tout à l'heure, j'étais avec le maire de Iré, le maire, son premier adjoint et son deuxième adjoint. J'essaierai d'expliquer un peu le travail que le ministère essaie de faire dans la région ici. Le travail que nous essayons de faire, c'est que nous aidons la population sur le plan spirituel. J'aurais dit, Dieu vous a donné le pouvoir de diriger une mairie. Mais Dieu nous a donné, nous, en tant que chrétiens, le pouvoir de la spiritualité. Donc ça se complète. Ça se complète. Parce que depuis que nous sommes ici, c'est parce que ça fait déjà des mois que je viens me présenter à vous, monsieur le maire. Parce que Zaroko fait partie de la commune de Iré. Alors, il y a des témoignages. Depuis que nous sommes ici à Zaroko, la mentalité s'est arrêtée parce que l'homme a droit à la vie. Je redis, nous combattons. Le combat que nous menons est un noble. Peu importe comment les gens jugent ça. Mais pour nous, un individu ne peut pas venir mettre fin à la vie de quelqu'un. Donc j'ai bien expliqué la chose qui s'est passée ici. Il nous a même dit, il m'a salué même plus de 2 fois. Et en même temps, j'ai formulé une demande pour dire, nous avons besoin d'aide. Donc les travaux ont commencé. Je crois que nous avons déjà investi plus de 375 000 francs. Il y a des bois et tout ça. Ce matin, ils sont en train de mettre les piliers. Je pense que cette semaine-là, ça sera achevé parce que la prochaine retraite, nous serons plus sur ces bâches. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc cette semaine était vraiment cette journée riche en relations. Après le maire, je suis maintenant au centre Peniel pour voir un peu les travaux. Ouais, l'autre, comment il s'appelle? Viens toi expliquer parce que on a besoin de ton élément. Viens, toi qui es... Quand on a envoyé là. Voilà, donc faut filmer là où je suis en train de construire, là, les bois là. Ouais, voici les piliers, on aura le pilier. Il y a un autre pilier de l'autre côté là-bas. C'est à partir d'ici ou bien? De là jusqu'au val. Donc ici on laisse carrément. Mais après que ça soit en hauteur, que ça dépasse la clôture. Tout va baisser. John, tu vous as envoyé, n'est-ce pas? Vous avez commencé les travaux. C'est ça, ouais. Donc, expliquez-nous le plan que. Pour lui, ce qu'il a à faire, c'est de creuser les trous, c'est de planter les piliers, les différents piliers. Puis au fur et à mesure, demain, on va passer à une deuxième étape. Vous pensez qu'on pourra finir ça en combien de temps? Bon, puisque les trous ne sont pas, les trous n'ont pas été creusés. Mais ça a dû à votre faute, puisque lui, il a dit qu'il allait creuser. Bon, en fait, il m'a dit 2 semaines. La dernière fois que je causais avec lui, il m'a dit 2 semaines. Si nous sommes en pleine saison pluvieuse, comme je disais tout à l'heure, affaire de Dieu, là. C'est-à-dire, quand c'est pour l'homme, on peut jouer ça. C'est ça. Quand il s'agit de Dieu, il faut prendre ça au sérieux. De toute façon, quand on dit c'est pour le président de la République, puis on court. Dieu au-dessus de tout. Donc, tout ce qui est de Dieu, c'est pour ça que je suis là. Tout ce qui est de Dieu doit pas être négligé. Lui, on lui a donné 375 000 francs. Il fallait aller en brousse, essayer les bois et tout ça. Mais pour dire que moi, je disais la dernière fois que je ne suis pas contre lui, mais c'est parce qu'il nous a donné un rendez-vous qu'il n'a pas respecté et tout ça. Tout peut arriver, non. J'ai dit, il faut communiquer. Je lui ai bien dit, il faut communiquer. Quand quelque chose n'arrive pas, là où quelqu'un met l'argent, il contrôle. Parce que la confiance n'occupe pas le contrôle. Quand tu mets l'argent quelque part, tu dois savoir. Si tu as dit un délai d'une semaine, que les 1 semaine sont passées, tu dois faire un retour. Ouais, tu viens et tu expliques à la personne. Je suis parti moi-même à Iré pour lui demander qu'est-ce que. Et il m'a dit qu'il avait des problèmes. J'ai dit, mais si tu as des problèmes, nous, on n'a rien à voir. Ça, nous, on t'a donné notre argent, tu dois faire notre travail. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, si tu as des problèmes, tu viens nous voir après et nous expliquer. Parce que c'est non seulement ça. L'église, c'est l'argent. C'est pas l'argent de Crasso, c'est l'argent de tout le monde. Mais en même temps, c'est pour Dieu. Et la troisième chose encore, c'est que nous sommes en pleine saison pluvieuse. Nous rentrons dans une saison où, aujourd'hui, il faut que les gens soient abrités. Les fous sont là, les gens sont là. C'est vraiment tout. Voilà. Donc, nous vous encourageons. Voilà. Quand vous serez ici, les gens vont s'occuper de vous. Si vous vous occupez bien d'ici, on va s'occuper bien de vous. C'est comme ça. On fera ici, si, on fera bon retour. On verra bon retour, mais
Vraiment, il faut que cette semaine-là, il faut que ça soit bouclé. Nous, il y a des moyens, le Renoir, les moyens pour finir cette histoire. Voilà. Les tôles vont venir. Il faut monter là-haut. Monte. La hauteur. Monte bien le truc, on ne voit pas le truc. Voilà. Viens vers ici. Voilà. Maintenant, faites le sable. Oui, il est dehors. Ici, ici. Vous voulez dire. Maintenant, le ciment. Allons-y. Ben, voici les boîtes qu'ils ont envoyées. C'est quand c'est venu hier, non? Avant-hier. Ah, d'accord. Ouais, c'est le même jour on a commencé, le jeudi. Vendredi. La veille, là. Parce que moi, je n'ai pas vu ça hier. Si, c'est hier. Mais moi, j'étais là hier, je n'ai pas vu. Je suis venu ici lundi, non? C'est hier matin. Le vendredi, c'est venu. C'est vendredi. Ah, c'est vendredi. Si, c'est le jour où la radio est venue. Et donc, voici les boire ici. Allons. Les travaux ont commencé. Voilà, je pense que vous suivez bien les travaux, les activités. Voilà. La semaine prochaine, cette semaine, même pas là. Par la grâce de Dieu, je pense que tout sera fin prêt. Nous sommes en train de nous organiser pour vraiment faire asseoir le centre. D'abord, commencer par ici et puis penser à notre site. C'est ça, quand tu es bien enraciné, tu peux maintenant t'envoler. Donc, je pense bien qu'ici, c'est dans notre base. Nous sollicitons l'aide de tout le monde. Nous avons commencé une œuvre. Ce n'est pas une œuvre d'une seule personne, c'est une œuvre de Jésus-Christ. Et je pense qu'il faut que tout le monde s'implique. C'est vrai qu'on m'appelle pour faire Krasov, vous priez pour nous. Mais on prie pour vous, mais aidez-nous aussi à avancer. Ça, c'est vraiment important. Eh, directeur de centre, tu as quelque chose à dire? Tu es directeur ou tu n'es pas directeur? Ah, tu as quelque chose à dire? Vas-y. En tout cas, je suis très réjoui de voir les travaux du centre démarrer déjà. Et si on voit déjà les premiers bois, le premier tas de bois arriver, et les piliers qui sont déjà plantés, je crois que le travail va désormais être accéléré pour finir les travaux. D'ici la semaine prochaine, tout le centre sera couvert. Oui, avant le mercredi prochain, moi, c'est mon souhait qu'avant le mercredi prochain, et ça, mettez la pression aux gens. Sur les gens, peut-être qu'ils fassent le truc, c'est pour ça que je suis venu moi-même. Voir ici à Zaroko. Il ne devait pas être là aujourd'hui, mais vraiment, je suis déjà allé voir le maire pour solliciter l'aide du maire. Parce qu'en même temps, on va cimenter, on va aller dans la cour. Voilà. Et progressivement, on aura l'occasion de régler certaines choses, tout ça. En même temps, il faut essayer de voir au niveau des maisons, la tuerie, tout ce qui est cassé. C'est pour ça que je fais venir Richard. Vous allez faire un devis de tout ça. Ils vont envoyer quelqu'un en semaine pour refaire tout ça. Pour refaire tout ça. Maintenant, nous, on aura les moyens encore pour refaire la peinture, le salon, pour que les choses puissent vraiment aller bien. D'ici le mois de juillet, puisque des gens arrivent. Les gens qui arrivent en juillet, les gens seront là en août. Voilà. Voilà, donc Shalom, aidez-nous. Aidez-nous à promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Parce que même la foi sans les œuvres, elle est morte. Aidez-nous à promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Priez beaucoup pour nous. Sinon que nous sommes révoltés contre les œufs de la sorcellerie, pour nous, il faudrait que l'Afrique émerge en commençant par détruire. On prend comme par les pays émergents, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Là où il y a les anti-développements, il faut les détruire et puis imposer le règne de Jésus-Christ. Merci pour vous qui voulez déjà venir pendant l'été, c'est-à-dire qu'en juillet et en août. Comme j'ai toujours dit et ne cesse de dire, pensez aux jeunes gens qui sont ici. Ils nous soutiennent dans le ministère, penser qu'ils ont besoin de s'évertir. Ils ont tout laissé pour d'autres personnes pour être ici. Ils ont besoin de trucs. Penser à leur vertement, penser au soutien. Merci pour ceux qui y pensent. Donc, shalom, et que Dieu bénisse.